Yo tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on est reparti en concours à Évry. Il y a toute la compagnie qui a débarqué. On est en team, on fait grave du bruit. Et là, il y a mon petit poney. Voilà. Il va faire 100 fautes sur le cross. Et là, on va aller à la reco de cross parce qu'on est en retard. Non, on est pas en retard du tout, elle dit n'importe quoi. Bon, allez, on y va. C'est parti. Bon allez, nous voilà partis du coup sur notre carré de dressage avec une herbe assez grasse, assez haute et pas vraiment à notre avantage puisque ça glissait beaucoup. Donc on fait notre entrée en ligne droite, on obtient la note de 7,5. Cela il manque un peu de stabilité mais la note s'améliore encore puisque on trotte droit, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite on part sur notre toute première diagonale pour faire notre allongement au trot et là on obtient 6, je crois que c'est notre pire note en allongement, voilà, puisqu'ils ont relevé qu'ils précipitent plus qu'ils n'allongent, mais on aurait pu avoir un peu plus quand même je pense, ils ont été un peu sévères là-dessus. Ensuite là on voit Soleil est vraiment dans une bonne attitude, j'arrive vraiment à l'avoir bien maintenant et ça c'est vraiment vraiment cool. On part sur notre deuxième diagonale avec la transition au pas au milieu et on obtient 7, donc c'est correct. Hop hop hop, on continue notre petite reprise, j'ai les rênes un peu longues là je trouve mais bon c'est pas très grave. On part sur notre cercle avant notre départ au galop, on obtient 6,5 à cause du tracé, apparemment j'ai pas bien fait mon cercle. Mais bon c'est pas grave, moi je suis contente de mon cercle, il a bien incurvé donc tant mieux. On part au galop et on obtient la note de 6,5. Là, en gros, Soleil va pas être content parce que j'ai mon pied qui a accroché dans la ficelle de bord de lisse. Donc déjà, enfin, une connerie de mettre une ficelle à la hauteur des pieds des gens, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, il trébuche, donc parfait, nickel, j'ai kiffé cette carrière, une horreur. Ensuite, on fait notre demi-volte pour repartir à faux sur la piste. Il ne change pas de pied comme d'habitude, c'est super. Et on obtient 7 sur le contre-galop, du coup. On repasse au trot, on a 6,5 sur la transition parce qu'il a un peu du mal. Et au niveau de l'arrêt, on obtient 7,5, ça c'est très cool. Ensuite, on a nos petits éléments au pas. Donc on part là sur le pas allongé sur le demi-cercle. Et d'habitude, Soleil vient vraiment tirer vers le bas. Et là, je crois que il n'avait pas trop envie finalement. L'herbe ne l'attirait pas. Donc du coup, il a pas beaucoup descendu. On a eu que 7. Mais c'est pas grave, franchement, c'est pas un point très compliqué pour nous. Et c'est juste qu'il n'avait pas envie ce jour-là, mais c'est pas grave. Ensuite on repart, on fait notre deuxième cercle avant notre deuxième départ au galop. On obtient la note de 6 parce que le cercle est mal dessiné. Moi je sais jamais ce qu'ils veulent en fait, ça m'énerve. Quand je fais un grand cercle ça va pas, quand je fais un petit cercle ça va pas, ça va jamais. Voilà, je fais au feeling. Ensuite on part au galop du coup et il s'ouvre un petit peu mais ça va encore. Donc on obtient 6,5 sur le départ au galop. Ensuite on fait notre galop allongé, on n'obtient que 6 parce qu'il n'y a pas assez de changement. Et à nouveau, on va faire la demi-volte pour repartir à faux sur la piste. Et on obtient 7,5. Donc je suis contente parce que sur les contre-galops, par contre, on a eu vraiment des bonnes notes par rapport à d'habitude, entre guillemets. Donc je suis contente, c'est cool. Dans la transition, il résiste à nouveau, mais cette transition, on le sait, c'est une horreur. Même pour moi, je la déteste parce que j'ai plus d'abdos, j'en peux plus, je suis KO. Mais à chaque fois, j'arrive à me ressaisir pour faire un dernier demi-cercle pour rejoindre le milieu de la piste correct. Donc là, on a 8 sur ce dernier demi-cercle, ça c'est cool. Et ensuite, pour l'arrêt, on a 6,5 parce que il n'est pas au carré, voilà. Bon, je suis contente. J'allais oublier la partie la plus importante. Ah le plan, j'ai compris le blanc. À l'attaque. Ok, faut que vous sachiez qu'avec Soleil, on est tombés tous les deux à la détente du cross et par conséquent, j'ai pas eu le droit de mettre la GoPro sur le cross. C'est Amandine qui a dû me filmer depuis là où avait le droit de se mettre les supporters, donc on voit pas du tout tous les obstacles. Et en plus de ça, elle devait tenir son chien. Donc la caméra bouge un peu et c'est vraiment contre notre volonté. Si j'avais pu avoir la GoPro, ça aurait été 10 fois mieux. Mais voilà, j'espère que vous allez quand même apprécier les quelques images que j'ai du cross et je vous laisse profiter. Et d'ailleurs, je vous explique la chute à la fin de la vidéo. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, profitez bien du cross, c'est parti. Fais-toi plaisir, mon chat. T'es guerrière. C'est un grand.
Extra. Wanna move my feet, wanna drop my one. 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 T'as quoi? On a gagné. Vous venez, on s'étend ensemble, on a enfin gagné. Elle va pleurer. T'as quoi? J'ai gagné. Faut que j'appelle mon père. Léa, t'as fait quoi aujourd'hui? J'ai gagné. J'ai gagné un putain de CCE avec mon gros poney. Elle est où ma troisième flanelle? Pas le dire ça. Bah si, justement. Fais voir ta coupe. Et
Classe. On la voit pas, mais bon. Bon, du coup, traditionnel débrief d'après concours. Bah voilà, comme vous l'avez vu, on a gagné. Toute mon excitation et ma fierté est redescendue parce qu'on est 5 jours après le concours. Donc voilà, en fait j'ai attendu ce moment-là pour faire le débrief tout simplement parce que Soleil a dû voir l'ostéopathe suite à la chute qu'on a fait à la détente du cross. Donc bilan ostéopathe, et ben tout va bien, il avait juste 2 petites cervicales de bloquer, un petit problème au niveau du bassin qui le faisait pencher un tout petit peu à gauche et on a juste détecté une petite sensibilité au niveau d'un ligament au postérieur droit, mais rien d'inquiétant, c'est certainement lié à la chute qu'il a fait. Donc pour l'instant il n'y a aucun problème. Soleil va très bien et c'est un poney ultra robuste, ultra solide, parce que franchement vu la chute qu'on a fait, il aurait pu avoir bien pire. Maintenant on peut rentrer dans le vrai débrief de concours. Du coup, concernant le dressage, super poney, très très bien dès la détente, vraiment top. On sort en 68% du coup, ce qui est une note encore incroyable, encore mieux que les précédentes. On était à 65 au dernier, maintenant on est à 68. Encore une fois, ça fait que progresser, c'est vraiment que du plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir que le travail qu'on fait à la maison, tous les efforts qu'on fournit, surtout Soleil, parce que c'est pas du tout un poney de dressage, il développe des muscles qu'il connaissait même pas avant. Donc voilà, je suis vraiment très très fière. Donc ça fait que progresser, j'espère qu'on va pouvoir un jour atteindre les 70. Ce serait vraiment génial, c'est mon but ultime je pense, et c'est ce que j'aimerais faire à la motte. Voilà. Donc on va travailler pour ça. Concernant le cross, du coup, on est tombés tous les deux à la réception d'un obstacle, le dernier obstacle qu'on sautait avant de partir sur notre cross. Soleil a glissé à la réception de l'obstacle. Il a pas du tout tapé dans l'obstacle, rien de tout ça. Il a glissé tellement l'herbe était haute, glissante et pas tondue et très dangereuse. Voilà, donc on a dérapé. Il est tombé sur son côté gauche, donc il m'a un peu écrasé au passage. D'où les raisons de mes blessures. J'ai eu très très peur sur le coup, j'ai beaucoup pleuré, j'ai eu très peur pour mon poney parce que j'ai cru sur le coup qu'il était blessé alors que tout allait très bien, il boitait pas ni rien, et après j'ai eu peur qu'il soit planté, qu'il ne veuille plus sauter d'obstacle de cross, qu'il se soit fait peur tout simplement. Au final rien de tout ça, il va très très bien, il allait très bien sur le moment également, donc on part faire notre cross du coup avec un peu de stress et d'appréhension de mon côté je vous avoue, mais voilà, on a pris 10 minutes pour souffler, pour ressauter, pour se remettre en confiance, on est parti sur le cross. Du coup je l'ai beaucoup tenu parce que l'herbe était très grasse, très haute et pas tondue et glissante du coup, donc je l'ai tenu sur le cross, on sort avec 2 secondes de retard. Mais on est sans faute aux obstacles, donc je suis très fière et voilà, malheureusement je n'ai pas la vidéo de la GoPro parce qu'on m'a demandé d'enlever la GoPro à cause de la chute, on m'a demandé de retirer la GoPro pour partir sur le parcours. C'est pas grave, malheureusement j'aurais bien voulu voir mon cross en entier, revoir tout ça, mais c'est pas possible, c'est pour ça que vous avez que des petits bouts du cross, que ce qui était visible du côté des supporters, et voilà, tout le fond du cross on ne voit pas, je suis un peu deg, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, on est sans faute sur le cross, et ensuite on part sur le CSO. Du coup faut savoir qu'on était que 4 dans l'épreuve et je crois que c'est encore plus stressant que d'être 40 parce que clairement quand t'es 4, sachant que c'est divisé en quarts, le premier quart c'était la première place, le deuxième quart la deuxième place, il n'y avait pas 40 personnes, c'était pas les 10 premiers gagner le nombre maximum de points, c'était la première place où rien, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, après le cross on est repassé premier, j'ai oublié de le dire, on était deuxième après dressage, après le cross on est repassé premier parce que le premier du dress s'est fait éliminer sur le cross. Et là la pression laisse tomber quoi, genre je savais qu'il fallait que je sois sans faute sur le CSO sinon je repassais dernière. Et voilà, on est sans faute sur le CSO, un très bon CSO, je suis très contente, je crois qu'on a vraiment trouvé le bon galop, le bon rythme pour aller sauter les obstacles sur le CSO. Un rythme vraiment soutenu, pas vraiment un rythme de CSO pur, vraiment un rythme mi-CSO, mi-cross, un rythme qui va très bien à Soleil, où on galope, je le laisse faire, il se débrouille, et ça lui va très bien, je titille pas, je touche pas, je reste à ma place, j'attends, et ça lui va à merveille, faut pas que je commence à bidouiller, surtout sur ces hauteurs-là, ça sert à rien, et donc clairement ça lui va très bien, c'est pour ça que je suis un peu passagère clandestine finalement, parce que je suis là, je mets les jambes, je l'avance, je le guide, mais je le laisse faire, parce que si je commence à me calculer les foulées, à me dire oh putain là faut qu'il en remette une, ou là faut qu'il prenne la longue, ça va pas aller du tout. Il n'est pas réactif à ça et ça lui va pas, en tout cas sur ces hauteurs là il n'y a pas besoin de ça. Donc on se prend pas la tête, on part faire notre CSO comme ça et ça marche, donc tant mieux.
Donc voilà, on est sans faute sur le CSO, on gagne, trop de fierté, vraiment trop fière de mon poney parce que c'est sa toute première victoire de toute sa vie en 13 ans, c'est ma toute première victoire avec mon propre poney, c'est notre première victoire en CCE, c'est l'accomplissement de 8 mois de travail pour préparer tout le dressage, de mise en confiance sur le cross et tout, enfin je suis vraiment très très fière de lui et c'est un truc de ouf. Et voilà, bon là je vous avoue que toute la pression et tout elle est retombée, ça fait 5 jours que c'est passé donc voilà ça y est je me suis calmée mais sur le moment j'étais un peu hystérique je vous avoue, j'étais vraiment fière et voilà je suis très contente de ce concours, c'était vraiment cool malgré la chute qui aurait pu être très dangereuse et nous blesser gravement tous les deux mais ça va. Sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu, on croise les doigts pour que dans le prochain vlog concours on fasse la même chose et que ça se fasse aussi bien sans la chute. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao.